On va voir une scène. Alors, vous allez chez le PDG, là. Oui. Attends, vous ne lancez pas le film tout de suite. Vous allez chez le PDG, qui est joué par Patrick Chesnais. Oui. Et vous lui lisez l'amant de Marguerite Duras. Oui. Alors, dans un premier temps, il s'endort. Oui. Et puis, il se réveille de nouveau. Et on va donc voir la scène, maintenant, la deuxième scène. Vous avez une altercation à tous les deux. Voici Miu Miu, Patrick Chesnais. Je suis votre lectrice. Mais vous n'êtes pas que lectrice, tout de même. Vous êtes bientôt autre chose. Ben alors, lisez. C'est que je n'ai pas l'intention de rester là avec vous, hein. Sachez-le. Bon, alors je lis. Ce ne sont pas les chaussures qui font ce qu'il y a d'insolite, d'inouï ce jour-là dans la tenue de la petite. Ce qu'il y a ce jour-là, c'est que la petite porte sur la tête un chapeau d'homme au bord plat, un feutre souple, couleur bois de rose, au large ruban noir. Répétez, s'il vous plaît, la première phrase. Je vous ai réveillé. Ce ne sont pas les chaussures qui font ce qu'il y a... Non, la première phrase de tout à l'heure. 15 ans et demi, c'est la traversée du fleuve. Continuez. Je porte une robe de soie naturelle. Elle est usée, presque transparente. Et voilà. Voilà où j'en suis. Une phrase comme celle-là me tue. Cette robe usée, presque transparente, me tue. Vous me tuez, mademoiselle. Je sens un frisson qui me parcourt, des palpitations de désir qui me submergent. Mais c'est beau. C'est très beau. Vous écoutez, vous êtes débloqué. Ce que madame, croyez-vous ou non, je n'ai pas fait l'amour depuis 6 mois. Ah. Oh.